Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur Tokyo Expressway. On est avec la Citroën GR4. C'est pour le championnat des nations, la course des nations, FIA GT plus exactement. On a signé le 8e temps. Bon, j'ai fait mieux en séance de pratique, j'ai fait 2-11. Mais bon, là, j'ai pas réussi. Donc, c'est la dernière course du championnat. Donc, on va essayer de faire ça bien par rapport aux autres courses précédentes que vous avez pu voir. On va être prudent. Ce que je vis, c'est allez, un top 10. Encore une fois, j'ai pas trop d'espérance sur ce circuit-là. Il est franchement très très bien. J'ai beaucoup pratiqué, donc maintenant je le connais. Donc c'est un avantage. On verra bien comment que ça se passe. Durant les qualifications, c'était plutôt clean. Donc c'est déjà ça de bien. Donc j'espère que les gens vont être très très clean. Non, 8e temps, mais c'est pas. Comment ça se fait, j'ai pas le 8e temps? À chaque fois. Ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est un bug, je sais pas. À chaque fois qu'on voit, quand les qualifs sont finis, qu'on voit la feuille des temps de tout le monde, on voit bien que je suis 8e. Et à chaque fois, ça m'encule d'une place. Je comprends pas. Enfin, bref. Donc, ouais, le championnat se termine aujourd'hui. Donc, voilà, je suis pas clairement dans les trois premiers. Je suis pas clairement dans les meilleurs. Donc je me suis défendu au mieux que j'ai pu, donc j'en reviendrai plus fort la saison prochaine. Pour cette course, j'ai changé de vue. Vous verrez plus la vue, vous verrez pas la vue de cockpit. J'ai choisi la vue à ras du sol. Pourquoi? Parce que la vue de cockpit sur cette Citroën est tellement restreinte qu'on ne voit rien en fait. Et je trouve que je suis beaucoup plus rapide en vue ras du sol. Donc je vais jouer comme ça pour cette course. Ça me plaît pas, j'aime pas. Sincèrement, j'aime pas. J'aime bien voir le cockpit moi. Un peu plus réel, on va dire, mais bon, on va faire une exception pour cette course et c'est parti. J'ai mis moins 2 de frein en avant et on verra bien. On va mettre le petit radar et c'est parti pour 7 tours, les amis. En espérant que tout se passe bien, docteur Fouad 5 et 5e. Et Didi est juste devant nous. Alors voilà, je joue plus comme ça parce que. Merde, attendez, vous voyez cette vue-là? C'est un peu. Oula, putain! Comment ils ont fait pour être aussi rapides? Mais comment ils font? On va freiner bien avant parce que. Je le savais qu'il allait avoir des crashs. Putain, mais merde quoi. C'est hallucinant, hein. C'est moi qui va prendre encore. Hein. On va être très très prudent. Alors, on est 6e, il y a le Portugais derrière qui s'est un peu crashé. 6e place, oula. On va essayer de s'éloigner du tchèque. On va pousser Pereira pour s'éloigner du tchèque. Bien, comme ça on s'éloigne bien.
nous ont repris. On s'est un peu gênés là tous les trois, enfin tous les quatre. Et le premier est bien parti loin. Oh. Eh merde. Voilà. Bon, à mon avis, ils vont bien me rattraper. Avec la spi. Ah, ça s'est touché derrière. Encore un autre chien. Regardez comment il plonge à l'intérieur, c'est dingue, hein. Regardez ça. Ils essayent vraiment de se faufiler ou ce qu'on ne peut pas, quoi. Voilà, j'avais pas le choix, j'étais surpris. Mais merde, je voulais le doubler, quoi. C'est chiant avec cette vue parce qu'on voit pas la largeur de la voiture. Allez, allez. Vous voyez, avec cette vue-là, on voit rien. Hein. Pourtant, j'aime bien, mais bon. On va jouer comme ça. Ça, il va pas fermer la porte. Oh putain! Tu vois, ça m'énerve, quoi. Je sais pas c'est qui. Ah, ça me saoule, mais ça me gonfle les gens qui savent pas freiner! Attends, j'étais bien, hein. Y'en a, ils croient qu'ils sont tout seuls sur la piste. Regarde, devant, je suis obligé un peu de ralentir, de freiner, parce que sinon, on se rentre dedans.
Mais non, derrière, ils font pas attention à ça, quoi. Ils anticipent pas, en fait. Plus je tourne en 2,15 quoi, alors que je tourne en 2,12 en moyenne. On va prendre l'intérieur. Je suis dégoûté, franchement. Voilà, ça a encore foiré ma course, ça. Je suis vraiment dégoûté. Il y en a, ils savent vraiment pas lire les panneaux et freiner au bon moment, quoi. Là, on est retour à la position initiale. Et j'arrive pas à choper la spi devant. Voilà. Enfin, un peu, quoi. Allez, on va comme rentrer dedans, je les ai bien. Voilà, vous voyez? Oh mais putain, mais c'est pas possible. Et c'est moi qui prends? C'est moi qui prends? Mais putain, mais quoi? C'est quoi ce bordel? La moindre des politesses, c'est de laisser repasser, hein. Le Finlandais, là. Putain, des fois, par moment, j'ai envie de les... de leur foncer dessus, quoi. C'est moi qui prends, quoi. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le fautif ou pas? Je pense pas. Derrière, ça me rattrape. Allez, un espagnol. Fouh. Purée, qu'est-ce que je déteste ce système de rampe perpée. Ouais, si je voulais. Si je faisais comme les noobs, les gens Kevin, les gamins de 10 ans là derrière ou je sais pas où devant. Si je faisais comme eux, ceux qui n'ont aucune expérience de la simulation automobile ou de course automobile, bah là je fonçais et je lui rentrais dedans. Voilà. Alors que non, j'ai juste levé le pied pour pas lui rentrer dedans. Ce qui est normal. Et on le rattrape juste après. Je sais pas, mais c'est d'une logique fatale. Je comprends pas comment que les mecs ils peuvent encore jouer à ce jeu comme ça quoi. Je comprends pas quoi. Alors peut-être que je freine un peu trop tôt, certes. Mais c'est pour bien prendre mon virage. Bah je sais pas. Bon allez, on se reconcentre, on est au 6ème tour, on est 10ème. Putain mais... ça tient du miracle que je suis pas encore descendu de rang. De rang de niveau, hein, je parle. Je suis toujours en B.
on va entamer le dernier tour. Je suis 10e. De toute façon, j'avais dit un top 10, hein, voilà, c'est comme ça. Je suis abonné au top 10 en ce moment. Et on est à 3 secondes du 11e. Tandis que le meilleur tour a été signé en 2-10. J'ai freiné un peu plus tard parce que j'ai eu peur qu'on me rentre dedans. Il y a moyen que je l'ai, Pereira. Il fait des erreurs. Il m'a vu. Ah, il m'a vu. Tandis que le feu d'artifice bat son plein pour le premier qui est déjà arrivé. C'est un Français ! Et le troisième, français aussi. Eh ben bravo, GG à toi. Vraiment GG à toi. Et GG à Didi aussi. Ah, on va peut-être avoir la 8ème place. Voilà, à mon avis, il a une pénalité. Voilà, bon bah on finit 8ème.